Un petit peu de ce qu'on a vu toutes ces dernières fois, puisqu'on va axer les connaissances sur la venue du printemps, les beaux jours, les risques de fourbure et les insectes. Alors on va commencer par l'eau, puisque déjà à ce niveau-là, on peut amener un certain confort aux chevaux. Dans les bacs d'eau, vous pouvez par exemple facilement rajouter une tisane de thé vert fortement dosée. Donc vous la faites, vous faites simplement votre infusion dans de l'eau bien chaude à la maison. Et puis ensuite, vous la mettez dans les bacs d'eau. Bien évidemment, ce n'est pas ça qui va vous soigner une fourbure. Par contre, avec le pouvoir antioxydant du thé vert, eh bien, vous allez avoir une prévention de ce côté-là et aider à éviter des problèmes au niveau du printemps. Une autre solution aussi avec pour le printemps, une autre solution au niveau des... c'est simplement de mettre à disposition des chevaux un bac d'argile, toujours mouillé. Donc cette argile a la capacité justement de venir capturer donc, le surplus de glucane, de glucose, de fructane, les protéines qui sont dans les intestins du cheval, et elles seront simplement éliminées avec les crottins. Donc ceci c'est vraiment très très précieux. C'est quelque chose que les chevaux prennent spontanément. Vous avez tous déjà eu l'occasion de voir les chevaux qui rongent les troncs d'arbres. Donc dans les écorces des arbres, on a les mêmes principes actifs qu'on peut retrouver dans l'argile. Et souvent, les chevaux essayent simplement de se procurer ce besoin naturel qu'ils ont au printemps ou sur d'autres périodes de l'année où l'herbe est stressée et puis augmente son taux de sucre. Donc ça, c'est vraiment... Et ça, vraiment, ça, c'est une technique avec laquelle on peut guérir une fourbure, qui est vraiment quelque chose qui intervient dans la guérison de la fourbure. C'est l'argile en libre service au niveau des chevaux. Le printemps, c'est aussi la période des drainages. Donc vous avez des drainages qu'on peut donner de manière buccale aux chevaux, et puis il y a d'autres drainages qu'on peut simplement dynamiser, selon les principes de l'homéopathie, donc bien secouer, et puis rajouter au bac d'eau. Donc ici, c'est simplement un élixir du suédois, un dépuratif global. Et que, si on veut, on peut ensuite rajouter à l'eau une fois qu'on l'a dynamisé correctement. Voilà, ça c'est des approches qu'on peut avoir pour le printemps. Au niveau de l'eau, vous avez aussi d'autres approches. Maintenant, il est sorti récemment des préparations homéopathiques qu'on peut mettre dans l'eau pour protéger les chevaux, les vaches et les autres des attaques de mouches durant l'été. Mais c'est déjà maintenant qu'il faut y penser. Et puis là, on va aller vers les chevaux et je vais vous montrer comment travailler au niveau de la tête du cheval pour pouvoir facilement leur donner dans la bouche, avec une seringue, des complexes homéopathiques justement pour protéger contre les mouches durant l'été, pour protéger des tiques, puisque ben, effectivement, c'est vrai que très souvent, les chevaux, les poulains, les chevaux qui ont très peu eu de contact avec l'humain apprécient beaucoup les câlins à la tête et d'être touchés au niveau du visage. Ce qu'on peut souvent voir dans les chevaux qui sont domestiqués et qui ont été débourrés, c'est que la donne change complètement. Parce que très souvent les chevaux, avec les licols et les morts, sont souvent fortement mobilisés au niveau de la tête et pas toujours avec douceur. Combien de fois on voit des brosses dures qui passent au niveau des yeux, on voit des forcés pour mettre les morts, on voit des oreilles tordues quand on met les licols. Donc très souvent la manipulation au niveau de la tête devient quelque chose qui n'est plus du tout toléré et plus du tout apprécié au niveau du cheval. Donc dans un premier temps, c'est important de lui redonner confiance dans ses manipulations, dans la main, voir que la main est quelque chose d'agréable. Et profiter directement de toucher toutes les parties de la tête,
travailler aussi beaucoup au niveau de la bouche, des lèvres, hein, la gencive. D'autant plus qu'ici, on a un point de réanimation et qui dégage des endorphines quand on travaille sur cette zone-là. Donc, c'est une zone que les chevaux apprennent à apprécier. Beaucoup de chevaux aussi qui ont connu évidemment le tourné, c'est des zones qui n'apprécient pas du tout qu'on travaille. On peut également travailler toute la zone doucement des narines, que les chevaux apprécient aussi beaucoup. Il ne faut pas non plus avoir peur, par exemple, d'ouvrir la bouche, d'aller chercher la langue, de travailler aussi que le cheval laisse la langue avec confiance et lui redonner. On peut aller la rechercher encore une fois. Donc quand même toujours faire attention aux doigts quand on fait ce genre d'exercice et faire attention aux freins de la langue, donc pas tirer, mais juste demander au cheval de la laisser. Donc là je ne mets pas de force, hein, je retiens juste la langue, mais je ne serre pas la main. Donc je ne suis pas dans un rapport de force avec le cheval et on lui redonne la langue. Donc toutes ces manipulations vont faire en sorte que le dentiste, par exemple, aura facilité l'intervention sur la bouche, puisque le cheval aura développé une grande confiance dans les manipulations au niveau de la tête. Vous pouvez aussi, par exemple, avec le plat de la main, habituer le cheval à remonter comme ça légèrement la peau, comme si vous remontiez la peau et la redescendre. Ce qui, en hiver, quand vous avez des chevaux qui ont froid, qui ont les sinus engorgés, ça va vous permettre également d'aider au désengorgement des sinus. Donc là, vous faites directement d'une pierre deux coups. Et puis, comme on est au printemps, évidemment, maintenant, eh bien, il y a pour certains la problématique des vermifuges. Et puis pour d'autres, la problématique simplement de drainer un cheval avec différents produits. Et beaucoup de chevaux n'apprécient pas d'avoir une seringue ou quelque chose dans la bouche. Donc, une des techniques d'approche, c'est de prendre simplement une compote de pomme bien liquide. Là, j'ai pris du bout de pomme pote parce que c'est bien liquide et puis c'est facile à manipuler. Et puis une grosse seringue, sans aiguille évidemment. Vous ouvrez la seringue, vous enlevez le piston, vous ouvrez votre berlingot, vous mettez un doigt dessous pour que ça ne coule pas et puis vous remplissez votre seringue avec votre compote de pomme. Ensuite, vous remettez le piston en gardant bien évidemment le doigt dessous. Voilà, ça va un tout petit peu gicler. Donc évidemment, ensuite, il faut arriver à mettre la seringue en contact au niveau de cette partie-là de la bouche, puisque donc ici, vous n'avez pas de dents. Parce qu'il faut toujours se faire attention que ces seringues ne soient pas mordues par le cheval, ne soient pas cassées. Hein. Donc l'idée, c'est de mettre dans cet espace sans dents, donc au niveau des barres, et puis doucement, vous donnez cette compote de pomme. Donc ça, c'est quelque chose à développer avec cette compote, par exemple, pour remplacer les récompenses pendant quelques temps, jusqu'à ce que la seringue devienne, pour le cheval, tout simplement l'équivalent d'un bonbon, l'équivalent de quelque chose de très très agréable. Donc une fois que le cheval a accepté facilement ceci, vous pouvez ensuite penser sans autre, soit au vermifuge, ou alors arriver par exemple au drainage de printemps qui sont présentés souvent sous forme, alors ici j'en ai un dans la poche, qui est sous forme spagyrique. Donc celui-là, il faut aussi le donner au niveau buccal. Et puis très souvent ce genre de choses vous sont données et vous sont conseillées au niveau de donner un certain nombre de gouttes. Alors évidemment, il est vivement déconseillé de travailler avec ces pipettes en verre, parce que si le cheval mord dedans, ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Donc ce qu'on trouve dans le commerce, c'est des petits comptes-gouttes comme ça. Ah bah c'est dans l'autre poche. Voilà, c'est ce genre de compte-gouttes ici. Donc c'est des comptes-gouttes qui sont donnés pour avec les médicaments homéopathiques. Je vais en ouvrir un directement pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. C'est des
grandes gouttes. Au-dessus, vous avez 10, 20, le nombre de gouttes. Et puis tout simplement, vous prenez dans le flacon pour 10 gouttes, ou 20 gouttes, ou 30 gouttes. Et puis ensuite, vous pouvez réinjecter dans la bouche du cheval. Et ça, c'est un plastique mou. Donc si le cheval mord dedans, en plus, l'avantage, c'est qu'il va se déformer. Vous ne pourrez plus forcément l'employer, mais par contre, vous n'avez pas de risque que le cheval se blesse avec. Maintenant, on sait que de plus en plus de gens ont des problèmes avec les tiques. Et puis, j'ai découvert récemment, et peu de gens le connaissent, c'est un complexe homéopathique, c'est le psorinum. Et ce complexe homéopathique a donné depuis maintenant, donc fin février, début mars, qui va permettre de protéger les chevaux au niveau des tiques, mais également des mouches. Donc là, par contre, le dosage est conseillé en millilitres. Donc là, on va travailler avec une seringue avec les millilitres dessus. Voilà. Une seringue comme ça. Bon, celle-là, elle est un peu grande, mais j'en avais pas d'autres sous la main. Donc, je vais simplement reverser dedans. Donc voilà, ça c'est les seringues avec les millilitres, mais vous en avez des beaucoup plus petites. Et pour un cheval, on va donner deux fois par jour 3 millilitres pendant une dizaine de jours. Et puis après, continuer en donnant une à deux fois par semaine le produit pour qu'il reste en contact avec les composants actifs. Et ça va permettre de diminuer les morsures de tique. Ce même produit peut aussi être employé simplement directement sur les piqûres de tique pour aider à la guérison, ou les piqûres par exemple de moustiques, de mouches, enfin tout. Tous les insectes piqueurs qui viennent embêter durant l'été nos compagnons. Donc le même principe, dès le moment où le tube est trop grand pour... Là, on va mettre 3 ml dedans. Hop, voilà. On referme le flacon. On va mettre le piston de la seringue. Voilà. Et vous allez voir, cette fois-ci, on n'est pas avec la compote de pomme. On est avec un complexe homéopathique. Mais vous allez voir que ça va aller tout aussi bien. Viens chercher la seringue, viens. Viens, mon petit gars, viens. Voilà. Vous voyez que la seringue, du coup, a une certaine attirance pour le cheval. Puisque jusqu'à maintenant, pour lui, c'était quelque chose d'agréable. Et puis bon, l'homéopathie n'a pas de goût, donc il n'y a pas de souci. Et vous voyez que ça va absolument tout seul. Et voilà. Et donc, vous allez très facilement injecter votre solution sans aucun stress, sans aucun problème au niveau de votre compagnon. Et cette approche, toucher la tête, manipuler la tête, masser, travailler au niveau des naseaux, travailler au niveau de la bouche, travailler au niveau du contour des yeux. Ensuite, mettre de la purée de pomme dans une grosse seringue avec le système approche-retrait, approche-retrait. Donc, ne jamais forcer le cheval, ne pas le mettre dans une contrainte. Ça va vous permettre que pour l'animal, c'est quelque chose, une récompense, c'est quelque chose de sympathique, c'est quelque chose de bon. Et à partir de là, ça sera fini pour vous, tous les problèmes de bagarre avec les vermifuges, ou justement avec les drainages de printemps, simplement un autre traitement médical que vous devriez donner de manière buccale. Donc tout va être nettement facilité, et c'est vraiment quelque chose.